Quand on est face à des jeunes qui ont 15 ans ou 20 ans ou des jeunes de 45 ans qui utilisent un smartphone, qui sont sur Internet toute la journée, bah, il faut s'adapter à cet état de fait. Et donc leur fournir l'information, la relation client, la réactivité qui est adaptée à ces nouveaux usages. Donc c'est ça la transformation digitale fondamentalement. Et au-delà de ça, c'est aussi une transformation sociétale, notamment du fait des comportements nouveaux des jeunes. La principale transformation sociétale liée au numérique, elle est liée à la manière dont on gère les entreprises ou on gère les organisations. Le management ne peut plus fonctionner comme avant. C'est une organisation, ou même dans la relation souvent asymétrique entre l'État ou les collectivités et le citoyen ou l'entreprise et ses clients, où on demande plus souvent l'avis à l'autre partie, donc le client, le citoyen, qui renvoie du feedback. C'est la démocratie participative qui permet de mettre ça aussi en place. Plus on écoute les gens, plus ce qu'on propose aux gens est adapté. Donc le numérique permet de mieux faire coller l'offre à la demande que dans un modèle traditionnel où on fait des études de marché, où on est très lent, à l'ancienne. Les objets connectés, en fait, on en a dans notre poche. On a déjà un téléphone dans notre poche qui est l'objet connecté le plus sophistiqué qui soit. C'est le smartphone. Il a plein de capteurs dedans. Et à partir des technologies qu'on a dans les smartphones qui ne coûtent pas cher, eh bien, plein d'entrepreneurs ont imaginé en mettre dans d'autres appareils. Thermostats connectés, détecteurs de fumée connectés, alarmes connectées dans la maison. Le premier, c'est la santé. Aussi bien pour inventer de nouvelles thérapies, pour suivre les personnes âgées, pour faire de la médecine prédictive, tout ça va générer des progrès énormes dans les 10 ans qui viennent grâce au numérique. On sait que de nombreuses technologies numériques joueront un rôle pour permettre de mettre en place des énergies renouvelables, pour mettre en place une économie qui recycle mieux les matériaux, pour mettre en place une économie qui respecte mieux la planète. Donc j'ai tendance à dire que le numérique et les nouvelles technologies en général doivent jouer ce rôle positif pour la société et pas simplement pour faire du marketing ou de la publicité.